Au Canada, les incendies s'intensifient dans l'ouest du pays, entraînant l'évacuation de plusieurs milliers de personnes, alors que dans l'est, les autorités prédisent une lutte qui pourrait durer tout l'été. Plus de 4,6 millions d'hectares ont été brûlés dans l'ensemble de l'immense pays depuis le début de l'année. C'est bien plus que la moyenne des dernières décennies. De l'aide a été envoyée de plusieurs pays, dont les États-Unis, avec des centaines de pompiers au cours des dernières semaines. L'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont également envoyé des secours. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré jeudi que la France, le Portugal et l'Espagne allaient aussi porter secours avec près de 300 soldats du feu. Sur l'ensemble du Canada, les autorités chargées des incendies de forêt recensent 416 feux actifs, dont 203 hors de contrôle.